on n'a pas le temps. Viens, allez! Mes très chers amis, nous sommes tous réunis ici aujourd'hui pour célébrer le mariage de Carl Braxton et de Tilly Ann Mason. Si quelqu'un dans cette assemblée s'oppose à ce que Carl et Tilly Ann soient unis par les liens sacrés du mariage, qu'il parle maintenant ou alors qu'il se taise à jamais. Carl, acceptes-tu de prendre pour unique épouse Tilly ici présente, selon le rite sacré du mariage? Promets-tu de la chérir, de veiller sur elle, de subvenir à ses besoins et de la préserver? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Braxton et Davidson, j'insiste, je vais vous voir immédiatement, c'est urgent. Jésus-Christ, notre Seigneur, pour mais c'est-à-dire qu'on est en pleine cérémonie, là? En pleine cérémonie. Oui. Tilly, je répète à Jean Davidson, acceptes-tu immédiatement, de on a prendre pour rouge. Carl Braxton, ici présent, oh, de le chérir, ta vieille durant, il va te falloir voir et un de moment lui garder monté. Fidélité jusqu'à la mort et de l'assister dans la maladie. Excusez-moi, mon père. Tilly. Alerte rouge, Carl. Il faut qu'on trace tout de suite. Navré, vieux. Quoi? Désolé, chérie, il faut que je finisse. Oh, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est, Carl, tu ne peux pas partir maintenant, va et les radiants. Je sais, tu as complètement raison. Je t'aime. Ciao. Allez, on rentre.
Ok, Carl. Dites-moi ce que vous savez du colonel Scarf Mulgrew. Scarf Mulgrew est un ex-policier britannique mis en prison par ses compatriotes pour avoir tué plusieurs hommes sous la torture. Ce type-là est un sadique. Il déteste les Anglais. Mais surtout, il hait les Américains. Exact. Ah, c'est lui. On sait que depuis plusieurs mois, Mulgrew aide le cheikh Ali Maksoud à entraîner ses tueurs dans un fort britannique qui se trouve dans les montagnes. Et qu'il s'offre les services du cheikh pour sûrement pas mal de millions. Mais ces derniers temps, les choses ont empiré. Nous avons la confirmation que ces deux ordures viennent de finir de mettre au point une arme nucléaire suffisamment petite pour tenir dans une valise destinée à New York. Nom de Dieu. C'est aussi ce que je me suis dit. Autre chose. Il y a une semaine, le président a secrètement envoyé une unité de combat pour mater cette bande de salauds. Échec monumental. On a reçu ces cassettes il y a une heure. C'est la fraction armée rouge japonaise, leurs meilleurs éléments. Avec les cassettes, il y avait un message. Mes quatre prisonniers seront brûlés vivants dans très exactement une semaine. À moins que les États-Unis acceptent de payer une rançon de 50 millions de dollars pour la libération des combattants de Dieu pour la liberté. Ils sont complètement cinglés. Oui, et c'est ça le problème. On n'a que quelques jours avant que les médias ne s'emparent de l'affaire. Ensuite, ce sera l'enfer. Le président est obligé de choisir entre payer la rançon ou leur envoyer les bombardiers B-2. Quand est-ce que je pars, Gavin? Vous partez tous les deux immédiatement. On vous parachutera avant l'aurore et là-bas, vous retrouverez votre contact. Le mot de passe sera la patrouille de sauvetage bleue. Sur place, on vous donnera toutes les instructions nécessaires. Carl, tu veux bien nous laisser un moment, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci. Gavin, qu'est-ce qui se passe exactement? Carl n'est pas un homme de terrain, vous le savez parfaitement. Vous n'avez pas lu son dossier? Je l'ai lu, moi. Il est arrivé premier de sa section. C'est un merveilleux linguiste et il manie les armes comme personne. C'est le meilleur élément entraîné que nous ayons. C'est aussi un fantastique joueur de bowling, mais cette histoire, c'est sérieux. C'est pas un jeu. Ces types sont des ninjas. Et votre troupe d'élite a été liquidée en moins de deux. C'est le meilleur élément que nous ayons actuellement. Vous oubliez Joe Armstrong. Joe? Il est avec les Pacifiques. Lui, il ne voit que la paix, l'amour et la lumière. Appelez-le, Gavin. Mais c'est fait. Et il m'a raccroché au nez. Ok. Sean? Bonne chance. Ça y est, les secrets. On en aura besoin. Hé, Sean, attends. Je voudrais te poser une question. Plus que 40 secondes et vous sautez. On est en position, les mecs. Thank you.
Et où il est, votre contact? Par là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être lui, justement. Bon, allez, maintenant ça suffit. Je vous conseille de bouger comme si vous étiez sur des œufs. J'ai le doigt chatouilleux, alors ça ferait pas votre affaire si je m'énervais. Capiche? Capiche. Ok, qui vous êtes tous les deux? On est la patrouille de sauvetage bleu. Putain, mais fallait commencer par là. Salut, moi c'est Pongo. Votre contact? La limousine est par là. Avec air conditionné. Et ce serait notre contact, ça? Laisse tomber. Lui, à mon avis, il va un petit peu trop au cinéma. Ouais. Allez, montez. C'est quoi cette connerie? Il est neuf, le moteur. Saloperie de bordel. Non, non, c'était Brando. Mais si, c'était James Cagney. Mais non, c'était dans Sur les quais avec Marlon et Brando moi, et Carl Abdel. Je te jure, c'est sûrement pas Cagney. Mais si, alors là, Cagney. Écoute, même je veux voir, c'est trois fois ce film. Il y a Brando et la gonzesse, mais là, non. Et Carl Abdel, il vient durer. Et il... Rire. Mulgrew et ses potes, ils ont massacré la meilleure unité que le Delta Force avait en réserve. Et G6 nous envoie d'autres Sélascars qui ont l'air de... C'est ça qui me fait marrer, le monde. Hé, Igor, fais-nous un brin de ménage. Thank you.
excusez les gars, mais je voulais m'assurer que c'était bien vous. Suivez-moi. Putain, les mecs, vous avez assuré comme des bêtes. La famille? Ouais. Bon, allez, faut que je vous explique une seconde la situation. Ça, c'est le fort. Quelque part au milieu de ce complexe, il y a un endroit où ils fabriquent la bombe. Et les donjons où sont enfermés les quatre Américains. C'est une forteresse presque imprenable. Mais j'ai dit presque. Allez, allons-y, vite, vite, vite. Allez, 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 allez. Un chien, Mulgro. S'il arrive quoi que ce soit, filez directement à Sulphur Springs et demandez le docteur Tamba. C'est le seul qui pourra vous aider. Ouais, Sulphur Springs, le docteur Tamba. Il ne faut pas qu'il vous trouve ici. Allez, bloquez-vous. Allez, vite, dégagez, allez, 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 allez. Bouge plus, toi, ta gueule. Allez, allez. Freddy, comment va mon gros copain aujourd'hui? Hein? Où est-ce qu'ils sont les étrangers que tu caches? Hein? Je suis désolé, colonel, mais je ne vois pas de quoi vous parler. Il n'y a que moi. Oh! Sûr que toi, t'es pas assez idiot pour abuser de ma célèbre patience, hein? Dis-moi, les deux étrangers, où est-ce qu'ils sont? Dans le placard! Pas. Je vais attraper ces deux salauds vivants. Je vais du quartier, par où on va? Par là. Vous deux, passez par là. Vous deux, vous faites le tour. Bon, allez, tire. Allez, allez, par là. Non, par là, par là. Allez, vite, vite. Dégage d'ici. Ça va les mecs? Merde, d'où il sort le gamin? Eh, au fait, je suis désolé. Eh bien, on bouge. Bon, ok, par là, venez. Et où attends, où est-ce que tu nous amènes? T'en fais passer un plan sûr. Tiens, Pongo. Qu'est-ce qui se passe? Mulgro et ses hommes nous courent après. Très bien. Suivez-moi, vite. Par ici. Où ils sont? Qu'est-ce que c'est ici? C'est la morgue. Entrez. C'est comme ça que vous gagnez votre vie? Allez, entrez. J'espère que vous êtes bien payé au moins. Allez, chacun à la seule. Quoi, mais ça va pas, non? Si,
Vite, dépêchez-vous. Enfoncez-la, bande de crétins. Vous venez pour les corps, je suppose. De quel corps vous parlez? Les corps de la colonie lépreuse. On nous les a amenés hier pour les autopsies. La colonie lépreuse? Oui. Non, nous sommes à la recherche de deux hommes très dangereux. Ils sont là. Et ceux qui sont là ne risquent plus d'être dangereux. Va entrer, jeter un coup d'œil. À la réflexion, je crois qu'ils ont filé de l'autre côté. Si vous les voyez, téléphonez tout de suite au commissariat. Oui, oui, bien sûr. Comptez sur moi. Bon sang, il s'en est fallu de peu. J'en reviens pas que ça ait marché. Et mec, voici Sarah Périsse, du Mouvement pour la paix. Elle m'a sauvé la vie au moins une douzaine de fois. Oui, c'est 12 fois de trop. Salut Sarah, Carl Braxton de la CIA. Et au nom de la CIA, Sarah, je... lui, c'est mon pote Sean Davidson. Bonjour Sarah. Bonjour Sean. Merci beaucoup pour ce que vous venez de faire. C'est vraiment gentil. Bon, les mecs, il faut y aller maintenant. Où est-ce que vous comptez aller? Sarah, écoutez... Je ne veux pas vous impliquer davantage dans tout ça. Vous en avez assez fait. Impliqué? Mais je le suis déjà. Mulgrew et ses hommes vont vouloir me trouver. D'accord, je vous conduis jusqu'à Sulphur Springs. Ça s'arrête là. Ok? Ok. Pongo, maintenant il faudrait que tu me dises par où c'est Sulphur Springs. C'est par là. Bon, alors il faudrait qu'on se dépêche. Et dites, c'est peut-être pas la tenue idéale pour courir, hein? Qui sont ces deux espèces d'ordures? Encore des enfoirés d'Américains? Des espions britanniques, hein? À moins que ce soit deux de ces Mongoliens de Sulphur Springs, hein? Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Vous n'avez plus de langue? Alors? Je vous en prie, colonel, je ne sais rien du tout. Mon Dieu, tu vas finir par me faire perdre mon sang-froid, espèce de crevure! Pitié, colonel! Je vous jure qu'on les a jamais vus. Sinon, on vous l'aurait dit tout de suite, c'est vrai? Mon vieil Igor, ça commence à devenir lassant tout ça. Je t'aime bien, tu sais. Vraiment, vraiment, sincèrement. Écoute, si tu veux, je t'offre 500 drelottes et la liberté, si tu me dis qui étaient ces hommes. Des démons envoyés de l'enfer pour vous emmener. Dis à mon ami le diable que je suis pas encore prêt pour rentrer. Bonne journée, Igor. Carl, va les mettre à l'abri.
toi, n'hésite pas à utiliser ton flingue. Comment ça, disparu? Ben, je les ai suivis à la morgue de l'hôpital à King Street. J'ai même fouillé le bâtiment de fond en comble. Aucune trace nulle part, sauf cette américaine, là, cette pacifiste. Ouais. Eh ben, c'est qu'elle a dû les cacher quelque part, espèce d'abruti. Le jour où j'ai tué son frère, j'aurais dû la tuer avec. Alors maintenant, vous allez vous remuer le fion et me la retrouver immédiatement, c'est clair? Oui, monsieur. Crétin. Hein.
bon, cher Scarf, qu'est-ce qui vous tracasse? Il y a un problème. Je crois que les Américains ont encore réussi à infiltrer deux de leurs meurtriers. Pourquoi vous tourmentez à ce point, mon cher Scarf? N'avons-nous pas toujours réussi à infliger à ces porcs un coup mortel chaque fois que notre chemin a croisé le leur? Mais ces deux-là m'inquiètent et tout particulièrement. Je crois que vous devriez exécuter les prisonniers dès maintenant et vous arranger pour que la bombe soit transférée à Beyrouth au plus vite. Mon cher Scarf, vous faites preuve d'une trop grande impétuosité. Oh, Yamé! Impressionnant. Eh oui, c'est comme s'ils étaient presque fiers de mourir pour moi. J'ai toujours enseigné à ceux que j'appelle mon peuple que mourir lors d'un combat sacré est un passeport pour le paradis. Vous avez toujours été pourri, Ali. Ce sont eux les Américains dont vous m'avez parlé. Oui. Je vous l'avais dit, mon cher Scarf. Vous vous faites trop de soucis pour rien. Regardez. Américain de merde, je vais te donner une leçon que tu ne seras pas prêt d'oublier aussi longtemps que tu vivras.
Et en plus, si ça peut te rassurer, ça ne durera pas. Nous procéderons aux exécutions des prisonniers dans 48 heures. Je compte en informer l'ambassadeur américain au cours de la réception du président Banders ce soir. Vous avez toujours eu le sens de la mise en scène, Annie. Alors, messieurs, je veux savoir vos noms et ce que vous êtes venus faire. Hein? Je vois. Ces espèces d'animaux ont pensé qu'ils étaient supérieurs à nous, pauvres mortels. Jusqu'à ce que je leur donne une leçon pour mater leur fausse fierté. Regardez. Lèche ma chaussure. Je répète ma question. Quels sont vos noms et qu'est-ce que vous êtes venus faire ici? Parfait, messieurs. Voici votre première leçon d'obéissance aveugle. Mon cher Scar. Ils donneront plus de satisfaction à Allah et moi-même s'ils sont en vie. Venez, appelons Beyrouth pour mettre les choses au point. La fille. Je crois qu'elle aussi, une correction lui ferait du bien. Bonjour. Bon, allez. Notre leçon d'aujourd'hui portera sur l'environnement. Environnement. C'est quoi l'environnement? C'est ce qui nous entoure. Tout ce qui est autour de nous, d'accord? D'accord. D'accord. Vous allez tous aller dehors et trouver des exemples de notre environnement. Et quand vous reviendrez, on en parlera, d'accord? D'accord. La dernière fois, je croyais t'avoir dit que j'arrêtais. Joe, tu sais déjà ce qui est arrivé au Delta Force. Nous avons envoyé deux agents
Ils viennent d'être capturés et ils ont été exécutés. L'un d'eux est ton ami, Sean. Tout ce que tu as besoin de savoir est là-dedans. Au cas où tu changerais d'avis. On a besoin de toi, Joe. Américain ? Oui. Quel est le but de votre visite, Monsieur Armstrong ? Vacances. Profession ? Enseignant. Bonne journée. Merci. Joe Armstrong ? Bon, on va où ? Sulphur Springs. Bon, bah montez, on y va. Je suis content de vous rencontrer. Moi, c'est Pango. Ok, en route. Enfin voilà, vous savez tout. Vous savez que vous avez un sacré cran de venir ici. Sean et Carl n'ont même pas pu venir à bout de ces types. Je sais pas qui pourrait d'ailleurs. Si ça se trouve, ils sont morts. Et puis Sarah aussi. C'est qui Sarah ? Une infirmière américaine qui travaille pour les pacifistes. Elle nous a pas mal aidés, mais elle s'est fait pécho avec les autres. Parle-moi un peu de Sulphur Springs. Ben, Sulphur Springs, c'était un peu un pénitencier, mais depuis que Benders est devenu président, c'est les prisonniers qui s'assument tout seuls, ils ont fini par se fixer là-bas. Aujourd'hui, c'est devenu un peu le rendez-vous de tous ceux qui en ont marre de voir la tronche de rat de Mulgrew et de ses sbires. Et avec ça, Mulgrew continue à semer la merde. Ouais, plutôt deux fois qu'une, mais à chaque fois, il se ramasse une de ses branlées. Enfin, maintenant, il a ses ninjas, il reprend le dessus. Et c'est qui, le fameux Tamba ? Tamba ? Ben, c'est le toubib de la prison. Maintenant, c'est le Dirlo. Vous savez... Si vous arrivez à le mettre dans votre poche, c'est tout bon. Il y a une chance qu'avec eux, vous arriviez à ce que tout le monde attend depuis longtemps. Yes.
Descendez. Vous êtes qui? Salut, moi c'est Pongo et lui Joe Armstrong. Qu'est-ce que vous voulez? On veut voir Tamba. Ah ouais? Je connais pas ce type-là. Mais Freddy nous a dit qu'il crêchait ici et qu'il avait besoin de types balèzes. Des types balèzes? Alors, c'est par là. On cherche toujours des types balèzes, hein? Non? Monsieur Armstrong, si vous nous donniez un petit aperçu de vos talents de type balèze. Vous avez encore rien vu? Je suis sûr qu'il en prend trois comme vous en même temps. Dites donc, vous avez pas froid aux yeux, monsieur Armstrong? Trois en même temps? Ouais, ouais, tiens, tous les trois! On n'est pas là pour se battre. C'est que ce saut, qu'arrêtez-moi ce bordel! On se calme, compris? Ce mec vous a eu, à la loyale. On a besoin de types comme lui. Très impressionnant, monsieur Armstrong. Soyez le bienvenu à Sulphur Springs. Venez un peu par ici! Je suis le docteur Tamba. Joe Armstrong. Alors, c'est ce pauvre Freddy qui a parlé de moi à Pongo. Ouais, il a dit qu'avec vous, qu'il pouviez quelque chose pour nous. Quelque chose pour vous? Bah, on est venu pour essayer de sauver les Américains des exécuteurs de Dieu.
Et si vous nous faites entrer dans le fort du dragon, et si vous faites le plus de diversion possible, on a peut-être une chance. Pénétrer dans ce fort, c'est normalement impossible. C'est vrai. Mais à mon avis, il y a peut-être un moyen. Je veux dire qu'il y a un certain nombre d'années, les Anglais ont creusé un tunnel qui passe justement sous le fort. Il était submergé le jour où la rivière a débordé. À peu près 200 des hommes appartenant aux troupes anglaises sont morts noyés. Les ingénieurs ont été obligés de creuser de part et d'autre de la montagne pour libérer l'eau. Aujourd'hui, tout le monde croit que ce tunnel a définitivement été dynamité. Mais nous, on est sûr qu'ils ont pu en oublier un. Tous les plans dessinés par les ingénieurs sont en sûreté au centre civique. Le président Benders doit donner une réception là-bas. Pour les ministres des pays du tiers-monde. Peut-être bien qu'on pourrait tous jouer les pique-assiettes. Monsieur le Président, mon gouvernement m'a chargé d'une mission. Vous informez que si le cheikh Ali Maksoud et ses associés ne libèrent pas immédiatement les prisonniers. Tiens donc, si je m'attendais à ça. Monsieur le Président, qui a invité ce gros rabulant? Vous disiez, monsieur l'ambassadeur. J'étais justement en train de dire que vous et vos associés, vous n'étiez que... de gros rats puants, cher monsieur. Oui, je vois. Encore une de ces expressions populaires américaines qui sont censées faire référence aux autres races. Un moment, monsieur l'ambassadeur, nous avons des choses importantes à vous dire. Ah oui? Voyez où ça? Et quoi au juste? Pas ici, dans un endroit plus calme. Mais oui, bien sûr. Morelli, ouvrez l'œil. Oui, monsieur. Oui, tenez-moi ça. Nous avons quand même capturé deux de vos fameux aventuriers, ainsi qu'une infirmière américaine. Ils seront tous exécutés, tout comme les autres gros rats puants. Comment ça, les autres, espèce de porc? Ah oui, j'allais oublier de vous dire que nous avons avancé les dates d'exécution. Les prisonniers seront exécutés dès demain matin. Rappelez-vous, au sous-sol 9945, compris? Justement, je pratique la confession. Ben, j'aimerais vous voir un instant. La confession? Allez, ça va comme ça. Moi, je vous arrête. Oh non, mon fils. Bonne nuit, mon fils. Thank you.
Si jamais vous vous avisez de toucher un cheveu, un seul cheveu de vos otages, je vous promets que vous ne retrouverez plus rien d'intact dans ce pays. Dans ce cas, New York sera tout de suite après sur la liste, monsieur l'ambassadeur. Bande de porcs que vous êtes. Allez, c'est vrai, de temps en temps, vous êtes un gros rabuant. Qu'est-ce que c'est que ça? Je veux savoir ce que vous fabriquez par terre, Aurélie. Saloperie de curé, monsieur. Quelle saloperie de curé? Et je vous assure, c'est un curé. Il pratique la confession, là, en bas, au sous-sol. Mais vous êtes givré, Aurélie. Il n'y a plus l'ombre d'un curé. Ça fait un mois que je les ai tous descendus. Merde! Un curé, crétin! C'est une ordure qui cherche les plans du fort! Quel trou du cul, ah! Entrez par là, par la porte de Cliff Sluice. Il ne pense pas qu'on peut être assez fou pour essayer de grimper par cette issue. On va mourir. Malgro a tué mon père. Et je sais qu'il va nous tuer. Si je m'étais douté que ça finirait de cette façon. Tout ça ne me plaît pas, monsieur Scarf. Pourquoi est-ce qu'ils veulent les plans du fort? Pour trouver l'endroit par où entrer, nom de Dieu. La Mecque, c'est dans cette direction-là, mon vieux. De toute façon, on n'a pas le choix. Croyez-moi. C'est quoi vos projets, Ali? Un hélicoptère devrait arriver demain matin pour venir chercher la bombe. D'ailleurs, si besoin est, on peut prendre cet hélicoptère. Ah. Moi, je vais me coucher. Réveillez-moi à la première heure.
de Sulphur Springs. Nous avons une mission. Nous devons nous battre pour notre liberté. Liberté ! Avec l'aide de l'Américain qui a réussi à nous prouver qu'il était notre ami et surtout notre égal. Nous devons finir par nous débarrasser des puissances des ténèbres. Tamba vivra ! Venez vite! Colonel! Quoi encore? C'est très important! Partout, partout, c'est l'émeute! Qui ça? Sulphur Springs! Écrasez-moi cette vermine et surtout pas de pitié, c'est compris, Aurélie? La pitié n'est pas dans mon vocabulaire! Vous êtes matinal, Scar. Ça commence à puer. Je veux voir les prisonniers. Nous avons toute la petite famille réunie. Adorable. Avec en prime la playmate du mois. Ça suffit. Tu te calmes, Ordure. Silence! Préparez-les pour l'exécution. Conduisez-moi au labo. La voilà la merveille, fabriquée de la main d'Allah, pour amener Satan le Grand à s'agenouiller. Mais pourquoi est-ce que vous avez fait ça, espèce de zouave? Cet instant m'a rempli d'extase. Je viens de réaliser que j'étais à une seconde seulement de rencontrer Allah. Il y a une autre issue dans ce labo? Non. Bon. Alors dites-leur de rester sur leur garde et surtout de ne pas poser un seul doigt sur cette bombe. Si tu veux mon avis, on est dans la merde cette fois. Et attends, c'est pas fini.
bande bordure. On s'arrête maintenant! Ce rassemblement est illégal! Ce bruit, à mon avis, il vient du vieux tunnel pour livrer les munitions. Un tunnel pour livrer les munitions? Le vieux tunnel pour livrer les munitions, bordel de merde! Mais c'est pour ça qu'il voulait les plans du fort! Je commence à en avoir ras-le-bol! Oh, pas là! Déclenchez l'alarme! Apportez immédiatement la bombe à l'hélicoptère et commencez les exécutions, vite! Tous les autres, descendez et exécutez-les! Bismillahirrahmanirrahim! On se grouille! Ça, Effendi? C'est extrêmement dangereux, ça, mon fils. Prends-en soin. C'est suffisamment puissant pour rayer complètement New York de la carte. Qu'Allah vous accompagne. Ok, Oli, on y va! Come on!
Fidèle, écoutez-moi. La nuit dernière, j'ai entendu un chacal hurler dans la montagne. C'était un avertissement qui m'a été envoyé par Allah pour me prévenir du danger d'avoir trop pitié. Donc, mes enfants, puisque notre grand Satan n'a pas cru bon d'accéder à la juste demande. Adieu, Joe. Américain. Gobededa. Allez, qu'on en finisse, Ali. Procédez à l'exécution. Allez! Thank you.
supplie, non! Pitié! Non! Ah, non! Ah, non! Tuez ces chiens infidèles. Ayako! Ça va, les mecs? Dès que je peux, je reviens vous chercher.
lâchez-moi! Non! C'est fini. C'est fini, ça va aller maintenant. Pourquoi ce ninja est venu nous détacher? C'est un vieil ami. Il n'a dit pas grand-chose, mais il atteint toujours le but qu'il s'est fixé.
Sean. Si tu veux, passe à l'école un jour.